C'est parti pour ce derby des Pays de la Loire avec le premier ballon pour les Choletais en rouge face au Manceau en blanc. Wilfried Yeguété et Abdoulaye Ndoye. Abdoulaye Ndoye qui trouve Wilfried Yeguété pour le premier panier de ce match de côté Manceau. Jerry Blakes trouve Gérald Ayayi qui prend sa chance à 3 points. Gérald Ayayi tout de suite. Encore capable de bien peser sur un match ou de rater pas mal. Mais en tout cas, la défense est là toujours. Réponse de l'autre côté, Nate Mason. Formé à Cholet. Et aujourd'hui opposé à son ancien club. Ouais, là aussi c'est beau, Nils Sacco. Dante Jones qui oriente le jeu à gauche pour un tir à 3 points, parfaitement dans le timing. Il y a une possibilité dessous, voilà, à jouer pour Jalen Jones. Il se fait bien recevoir là dans la raquette, le Mancel. La contre-attaque, encore un tir à 3 points et encore dedans. Et Abdoulaye Ndoye cherche une solution. Oh, il est tombé. Et les Matt Lewis qui peut aller marquer facilement. Secondes encore dans ce premier carton et il passe comme dans du beurre. Abdoulaye Ndoye, il y a trois défenseurs Choletais, il n'y en a pas un qui est capable de l'arrêter et on y retourne avec Mac Lewis. Tombé pour Wojtek Grouban et il est encore là, Slomba Wurbe pour lancer la contre-attaque. Le allez où pour Stéphane Aboubé. Le contre d'un côté, le fracassage de stack de l'autre, servi par Devante Jones. Blakes avec Enzo Gudusina. Wenzekwesi Blakes. Sans hésitation, Jerry Blakes. En deux temps, peut-être en trois. Ouais, en trois, non, même pas. En quatre. Et c'est conclu. Parti Jens Salin après les ratés d'Emmanuel Ezekwesi. Il termine au-dessus. Jerry Blake qui ne marque pas. La relance Marcel déjà dans le camp. Le Cholet. Oh la fin. Oh la fin. C'est une fin de papy, ça. Léopold Delaunay, normalement. Mais lui, il a 21 ans. Il y a eu au maximum 4 points d'avance dans le premier acte. Jay Campbell va servir Tijen Salin. Salin pour passer devant. En tête de raquette, Tijen Salin. À 5 points, je pense. 5 ou 7, on va vérifier. Après avoir raté son gros dunk, Tijen Salin se rattrape. Le score un pied. La note artistique maximale pour Devante Jones sur ce panier. Gudusina. C'est au contrôle du ballon, Gudusina jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour prendre les commandes tout de suite pour Cholet dans ce troisième quart. Gudusina, encore une fois, en slalom dans la défense à l'opposé. Il y avait un shooter, mais Jerry Blex. Mais pas de temps, il va tenter d'intervenir derrière. Elle s'est fait avoir par le dribble. Et on va marquer là au Stéphane. Pour les Manceaux. Et pour Matt Lewis. Belle conduite de balle, Matt Lewis. Ce tir. Non, finalement il se ravit, il se trouve un peu Ndoye. Il part de l'aile pour se remettre dans l'axe. Et Jones peut battre Ezekwesi en vitesse bien sûr et donner un ballon parfait derrière pour passer un bon œil.
l'intérieur pour Mawoukbé, ça ressort, allez, le tir à 3 points dans le coin, c'est pour faire l'écart dans ce derby grâce à Dishon Schwartz. Cholet qui cède un peu dans ce troisième quart-temps. 58-51, 7 points d'avance pour les Mansois. Attention, saute mouton, panier accordé logiquement à Nils Sacco. Donc un lancé, mais il y a un ballon récupéré, encore mieux. Peut-être l'égalisation. Là, ça va être Grouman. 7-0 pour les Choletais pour venir égaliser. Pour qu'il attend mal dans ce derby. Grouman, un tir impossible de Wojtek Grouman au-dessus de Léopold Delaunay. Oh, ça aurait été un beau gros coup de marquer directement longue distance dans ce quatrième carton pour CB. Côté de coup égalisé, William Staras. Payé 100 fois même. Payé double. Ce bout aussi là. Avec Gérald Ayayi. Il faut marquer un moment donné pour Cholet. Zekwesti. Il fait le tour. Il fait le tour de Wilfried Igueté. Et voilà comment on débloque une situation pour Cholet. Qui n'avait pas marqué juste là. En faisant tout péter. On est dans les 5 dernières minutes. Maintenant. De cette rencontre, de ce derby. Il y a 3 points de voie d'entrée. La chance, ça s'est arrêté quasiment au-dessus du cercle pour Enzo Gudustina. Et on voit là qui aime jouer, Abdou Ndoye, qui part face à Yayi. Yayi qui n'a pas laissé concentrer William Staras. Ça vient de nulle part. Le tir à 3 points de William Staras. Devanté Jones. Les mains qui glissent. William Staras en volant. En volant dans la raquette. Nouveau panier à 3 points. Un drive récompensé pour William Staras. Panier quand même compté, manifestement. Jerry Blex pour Allen Jones, un nouveau tir à 3 points pour les Choletais. Gérald Ayayi, il ne fait pas mouche. Nouvelle possibilité pour TJ Campbell qui lui, c'est l'expérience. Lui, ça ne bouge pas. TJ Campbell, il en a mis les tirs si cruciaux. TJ Campbell à l'intérieur, Nils Sacco, il se retourne, il ne peut pas marquer. Le tir à 3 points. Pas de trop loin, pourquoi il restait 5 secondes? Au bout du chronomètre, il reste 20 secondes encore derrière. Devanté Jones, passe à Nils Sacco. Devanté Jones qui ne passe pas. Nils Sacco qui contre. Les Mansois qui peuvent courir. Sacco dans l'axe, qui marque, égalisation de Nils Sacco. À 77 partout servi sur un plateau d'argent par TJ Campbell. Abdoulaye Ndoye. Avec 10 secondes face à Gérald Ayayi, on ne peut pas faire de faute. Les Choletais dans la pénalité. Abdoulaye Ndoye qui va au panier. Abdoulaye Ndoye qui ne marque pas, qui prend son rebond. Mais ça ne rentre pas non plus. Prolongation. Prolongation de chance pour Abdoulaye Ndoye de scorer, d'emporter le morceau. Et il va falloir 5 minutes de plus pour se départager dans ce derby. J'ai Campbell toujours. On sert en hauteur, Nils Sacco, il n'a plus qu'à rabattre ce ballon. Fin de cette prolongation, de cette possible première prolongation. Pour égaliser Abdou Ndoye, il n'a pas choisi de prendre le tir. On va finalement trouver Devanté Jones. La faute du panier pour Devanté Jones, le bon choix. Finalement, des Mansons qui ont laissé passer deux tirs à 3 points. Et Devanté Jones, il prend 3 points, plus un contact par Tijen Salin. Jake Campbell, on est en périphérie, ça n'a pas du tout avancé vers le cercle. Cette attaque-là, Jake Campbell est coincé. Gérald Ayayi qui va à l'abordage du panier.
de Goudoucina avec TJ Campbell. L'écran de Nilsako, TJ Campbell qui va à l'opposé sur Ayayi, qui repart vers le cercle, retrouve Nilsako, 5 secondes. Le tir de TJ Nsala ! Le tir de TJ Nsala, c'est peut-être le gamin qui va tout changer dans ce derby. Oh, il a peur de rien. Et surtout pas d'un éventuel tir décisif dans un derby. Sinon, il va rester en rebond et 4 secondes pour remonter le terrain. Et encore faudrait-il qu'il y ait un rebond. Enzo Goudoucina. Enzo Goudoucina par-dessus. C'est manqué. Ballon pour les morceaux. 7 secondes. Il faut tirer à 3 points pour égaliser et avoir une deuxième prolongation. La faute, elle est avant par TJ Campbell. Que c'est malin. Que c'est intelligent de la part des Scholtais. Déjà, on ne peut pas se poser la question sur le premier. Matt Lewis, tout de suite, c'est récupéré par qui ? Par les Scholtais ! Et c'est fini ! Scholtais qui prend le derby, grâce au tir à 3 points de TJ Nsala à 40 secondes de la fin. Bravo gamin ! Et bravo Scholtais, toujours invaincu en déplacement en Betclic Elite. Les Scholtais qui continuent sur leur lancée d'un très bon début de saison. Scholtais, 5 victoires et 2 défaites.